À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, l'équipe du musée Boucher de Perte vous propose une série de podcasts. Aujourd'hui, laissez-vous compter les objets égyptiens de la collection archéologique du musée par Guillaume Dourdou, médiateur du patrimoine. Bonjour Guillaume Bonjour à tous En effet, je vous emmène aujourd'hui en Égypte ancienne puisque je vais vous dresser un panorama des objets égyptiens présents au musée Boucher de Perte. Alors ici, pas de momies ou de sarcophages de pharaons, mais une dizaine d'objets égyptiens, petits par la taille, mais grands par leur iconographie. Parmi cette dizaine d'objets, nous recensons, comme on pourrait s'y attendre, des représentations de divinités égyptiennes. C'est le cas avec une amulette porte-bonheur, représentant le dieu Horus enfant, dieu protecteur des pharaons et des enfants, et que l'on identifie grâce à sa mèche de cheveux qui tombe sur son épaule. À sa gauche, on y voit sa tante, Nephthys, déesse protectrice des morts, et à sa droite, Isis, mère d'Horus, femme et sœur d'Osiris, dieu des morts. Au musée, Osiris est visible sur une figure datée d'une période allant de 712 à 332 avant Jésus-Christ. La figurine est en bronze et elle est présente dans les collections municipales depuis 1890. On trouve enfin Hathor, divinité de l'amour et du bonheur, sur l'une des trois amulettes scarabées du musée. Mais finalement, ce sont les objets funéraires qui sont le plus présents parmi cette dizaine de pièces égyptiennes. Parmi eux, les oucheptis en céramique ou en calcaire. Ce sont des figures momiformes qui tiennent dans la paume de la main. Et pour cause, la statuette était placée dans les tombeaux des défunts, et la statuette était alors l'intermédiaire auprès d'Osiris dans le monde des morts. Sa fonction était de remplacer le défunt au travail et il n'est pas rare de représenter sur ces statuettes des outils agricoles. On sait que suivant le statut social du défunt, ces statuettes funéraires pouvaient être en terre cuite, en pierre, en bronze, en bois ou même en terre émaillée. Toujours sur cette thématique des objets funéraires, laissez-moi vous parler de l'oiseau bas à tête humaine. C'est une figurine en bois chimérique qui vous rappelle sans doute les fameux sphinx. Dans la tradition égyptienne, l'oiseau bas représente l'âme du défunt. Le bas est alors une composante de la partie spirituelle des hommes. Nul doute que cet objet nous renvoie à un mode de pensée et de croyance aussi complexe que fascinant. Enfin, j'ai envie de partager avec vous une anecdote concernant une main d'encensoir datée de l'époque ptolémanique, c'est-à-dire entre 332 et l'année 30 avant Jésus-Christ. Cet objet permettait de faire brûler de l'encens dans la petite coupe riftée à la main. Et l'objet devait avoir à l'origine un manche en bois. La cocasserie de cet objet réside dans l'attribution qui lui a été faite au musée pendant des années. En effet, l'objet a longtemps été désigné comme étant une main de quête. Et c'est d'ailleurs sous cette dénomination que l'objet a été initialement inventorié. Le développement de nos connaissances a permis de réparer cette erreur. Je vous l'ai dit, ces objets égyptiens sont partie intégrante de la collection archéologique. Nous avons finalement assez peu d'informations concernant l'arrivée de toutes ces pièces égyptiennes au musée Boucher de Perte, l'inventaire reste relativement fou sur cette question-là. En revanche, nous pensons que ces objets égyptiens proviennent de fouilles effectuées entre 1870 et 1925 à étape et sur l'an 50 de César de Liercourt. On peut aisément penser que les troupes romaines portaient ces objets dans leurs poches. Nous pensons aussi que ces objets ont été donnés par Henri Van Robé à l'ancien musée d'Abbeville et du Ponthieu, puis transférés au musée Boucher de Perthes, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. Vous l'aurez compris, le récollement en cours au musée permettra bientôt de confirmer ou non cette piste. Merci à vous pour votre écoute, à très bientôt